dashed all to pieces, dashed. Après la tempête, propose un voyage à une île imaginaire telle que racontée par Shakespeare dans sa pièce. Il y a ces dialogues entre les instruments anciens et modernes. Cette idée de faire dialoguer, il est à la base en fait même du travail dramaturgique. Et le passage le plus demandant pour moi dans l'opéra, c'est le monologue de Sycorax. C'est extrêmement chargé d'une tendresse cachée très profondément en elle, qui est convertie dans la sorcellerie, dans la méchanceté, dans la rage. Et ça demande beaucoup de dévoilement en moi-même. Claribel, la première femme que j'interprète, c'est quelqu'un qui est vraiment dépossédé de son existence et de sa vie, et qui a une espèce de rage, une espèce de grande foi en la vie et une grande rage de se sortir de cette situation, et en même temps extrêmement contrainte d'être qui elle est, c'est-à-dire reine de Tunis. Et le deuxième personnage que je fais apparaître, c'est Ariel.